Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien, et aujourd'hui on se retrouve pour la 130e vidéo sur WWE Scorecard, dans laquelle on va continuer à faire le Ring en solo spécial Kurt Angle. Et parce que c'est Kurt Angle, la carte événement de SummerSlam 17. Voilà, simplement, donc là on va continuer à faire l'event. Et comme... Il fait encore une bêtise. Veuillez à tout prix garder mes crédits pour... mes crédits pour m'acheter un futur pack me 53. Et bien c'est raté, puisque j'ai fait la mauvaise manip. J'ai au lieu d'appuyer sur la pub, j'ai appuyé sur... son crédit pour... faut faire un acceptant en fait. Simplement. En ring domination. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Après, j'ai acheté les 12 joueurs de pioche en avec les 100 crédits, hein, que j'avais d'autres, que j'avais, mais bon. Voilà. Bref. Nous sommes toujours avec entre Becky Lynch, SummerSlam 17. Voilà, tout simplement, qui entre en RPG. En RPG, tout simplement. Ici Becky Lynch on vient de jouer en bas 3 plus en deck en RPG donc là on va faire la WrestleMania 33 on va finir la WrestleMania 33 en rélimination en solo pour avoir AJ Styles WrestleMania 33. La SummerSlam 17, c'est à mon avis, je pense que c'est Jason Jordan. Je pense, hein. La SummerSlam 17, c'est Jason Jordan, je pense. Oui, c'est. Est-ce que je gagne? Ah non, je gagne pas, dommage. C'est raté. Alors, on va prendre Brock Lesnar. Et comme d'habitude, c'est toujours buggé. Mais bon, c'est pas grave, les stats sont buggés suite aux améliorations. On burn quand même. D'accord. Donc là, on va mettre Bobby Roode. Undertaker, on va mettre Samoa Joe ici. Voilà, ça fait deux. De pioche. C'est parti. Ah, vous voulez que je mette le son? Attends, si je mets le son, est-ce que vous allez m'entendre? Une barre de son. On entendait bien là, non? On va faire un peu comme ça, d'ailleurs. Dites-moi si vous entendez bien. Si je mets une barre de son sur la vidéo du jeu. Et moi, si vous entendez bien. Si vous m'entendez pas, bah, je vous couperai le son et je ferai comme d'habitude. Voilà, tout simplement. Bon, et sur ce, je vous dis à tout de suite pour un mec, c'est gratuit. Et re tout le monde, c'est parti pour un mec, c'est gratuit en réunification en solo. Spécial Kurt Angle SSD. Allez, c'est parti. Hop, let's go. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en premier? On va mettre. Alors, on va mettre John Cena pour commencer. Ah, c'est Prince, c'est bon. Puissant, je gagne, parfait. Je gagne, parfait. Parfait. Ensuite, Brock Lesnar. Brock, je sens l'attaque. Puissance. Pas dommage. Aïe, dommage. Dommage, dommage. Après, on va mettre Triple H. Ah, John Cena.
Oh oui, 16. Non, je gagne pas. Dommage, dommage, j'ai envie de mettre Undertaker. Qui aurait bon, on va mettre Jensia. Charisme, 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 en vitesse. Est-ce que j'ai en vitesse? Oui, je gagne en vitesse. Et ça. Bien joué. Voilà. Parfait, 5-4, 6-3, pas. 6-3, non, 5-4, je crois. 5-4. On gagne ce combat, parfait. Alors c'est parti. Non. 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 Oh, demande à tout le monde, super. Phenomenal, et tu es size. Et il y a tous ces panneaux qui sont gratuits. Et moi, tout le monde, c'est parti pour une extraction en rémunération en solo. C'est pas une partie, bien entendu. Mais c'est la troisième partie, ouais, et c'est la troisième extraction. Des petits peu trop longues, hop, on revient à chaque fois. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour une situation en rémunération en solo. John Cena, comme d'habitude, le plus fort de notre équipe. Ok. Ah, puis c'est Kyle. Tu gagnes? Ouais, j'ai gagné, parfait. Parfait. Je pense que j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné. Ensuite, notre John Cena. Ah, Bobby Wood. Puissance. Tu gagnes? J'ai gagné, parfait. Parfait, parfait. Ensuite, on va mettre Bobby Roode ici. Triple H. Non, on va tenter Diable. On va mettre Baron Corbin ici. Pour bien, on va mettre Undertaker ici. Et voilà, on gagne 7 à 2. 1, 2, 3, victoire. Allez, c'est parti pour les éclats. Énergie. Non. Hop. Et non. Dommage. On se reparle la prochaine fois. Pour tout de suite. Allez, quatrième accès gratuit. C'est parti. Et on va mettre The Rock. Ok, Kevin Owens, on va mettre Triple H, et puis Charisme. Yes! Wouhou, la chance. Bien. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Ok, Braun Strowman, donc là je peux rien faire, je vais mettre John Cena ici. Ok, Undertaker, Charisme. Oh oh, je suis trop fort. Je suis trop fort. Je suis trop fort, carrément. Bon, ça. Je vais mettre Burn Coming.
Ok, c'est un chess one, mais le premier jeu. C'est ça. Allez, hop, victoire, 7 à 2. On va tout de suite pour une nouvelle extra tuile, la cinquième. À tout de suite. Et retour, on ne sait pas qui pour une extra tuile en rémunération en solo spécial. Spécial dispo spécial sur la semaine du spécial Clock Angel. Par contre, on va dire Clock Angel. Parce que c'est les cartes événements du rémunération, donc on va dire. Régulation spéciale Curtain Mall. Allez, c'est parti. Let's go. Il y a un truc qui est signé. Ah, ok, on vous sait. Pas de justesse. Pourquoi il m'a attaqué? Pourquoi il m'a attaqué? Bon, je comprends pas. Je voulais dire ça ici. Ok, Roman Reigns. Yes! Je gagne. Hé hé! Hop, comme ça. Ensuite, on va être Bobby Wood ici. Ah, Triple H. Puissance. Dommage pour mon Wings que le pied de sa finisher, enfin, c'était le spin, mais il n'y a pas fait. Donc ça fait ici, malheureusement. Oh, l'eau s'est foncée, merci. 17. Vas-y, tu payes, tu vois. C'est là. Hein? Voilà. Bien là. Il est pas là. Je le charge. Non, il est pas là. Bon, bah, plein d'éclats. Il y a 15 éclats pour le moment. On va continuer tout de suite après la pause. Simplement. C'est parti pour la nouvelle activation en rémunération solo spécial Curtain Ball. Ici. Ok. 16.
Le faker, ça va. Oh, c'est l'histoire, je vais perdre. C'est pas grave. À tout de suite pour une nouvelle action gratuite. Et re tout le monde, c'est parti pour une nouvelle action gratuite en rémunération en solo. Et c'est un crack and roll. Et hop, on va prendre The Rock. Pas forcément cette remise. Ah non, je perds. Un chèque. On peut mettre Brock Lesnar. Un peu de break. BTS, je gagne. Un peu de chance. Fine. Excellent. Ensuite, on va mettre Bobby Wood. Équipe de Stan Attack, il est très puissant. Ça va, ça reste n'importe. C'est fait, enfin, on va mettre Undertaker ici. Renderton, Kain, non, Lucius. C'est pas grave, puisqu'on va mettre John Cena pour le battre au 6 vitesse. Voilà, victoire! On va attendre une petite minute. Bon, bon, je crois qu'on va faire un petit match classé. Ah non, bah, je suis dans King of the Ring. Oh, j'ai deux victoires de défaite. Bon, bon, c'est moins facile que prévu. Vous avez maintenant, on peut recevoir de l'énergie gratuitement. Oui, alors, du coup, bien entendu, mais alors, je vais pas le faire. Non, ça va être. Peut-être voilà. Tout simplement. Ça va être trop long, très long. Yo. Non. Voilà. Petit match classé pour en attendant que ça se referme. On a 62 304 trophées en match classé.
il n'y a pas de semaine, ils ont, mais approche dangereusement du top 50. Top 50, bah, c'est trop très très chaud à voir. Puisque les joueurs sont quasiment à 74 buts, c'est quasiment, je pense. Et bon, les amis qu'il y a, je pense qu'ils ont dû faire une pause pour les matchs classés. Mais bon. On va voir. Et un Undertaker, il gagne parfait. Ensuite, Nayang. Il a pas dit ça. Comme ça, je vais vous montrer l'animation de la publicité de Mayang, le Bronco Buster. Bon, il n'a malheureusement pas activé. Donc voilà, attendez un petit peu. Oh, ça, il y a encore deux charges. Donc, ça, sur le max. Nice. 39. Alors, c'est un petit dernier pour découvrir qui a la carte reset. Tu vas faire reset, reset les pioches, je veux dire. Tout simplement. C'est un petit dernier. Et hop, petit. C'est parti. Let's go. On va déjà être sur Mayang et Naomi. Hey now, that's how you do it. Carte reset. Et c'est parti. Non. Attention. Oh, une puissance élite. Pas mal ça. Pas mal du tout comme carte. Là, ça rajoute toutes les charges. Anti-Mob Battleground, c'est pas mal. On va mettre sur qui ? On va mettre sur Undertaker. Pour booster un peu plus sa puissance, c'est parti, tac. Voilà. Voilà, on va se faire un petit match caché avant. On fait un petit match cassé. Le dernier match cassé, on va reprendre l'élimination en solo. Battleground avant qu'on attaque demain. On va faire Shameless pour commencer. Voilà.
France, comme on dit, ils vont mettre Sheamus et Jason Jordan en équipe. Bon, après, pour Batista et Daniel Bryan qui sont pas compatibles, ça va être chaud. Ça va être chaud, chaud, chaud. Bon, après, en féminine, j'ai vu le Bébé qui est compatible avec le Black Phoenix, donc ça va sortir bien. C'est bon. Donc, lui, on va mettre qui? On va mettre sur Daniel Bryan. Enfin, Beth Phoenix. Sans max, tout le monde est quitte au max, c'est parfait. Donc maintenant, plus qu'à attaquer. Alors, j'ai rentré mon Gaston en classement. Moi, Gaston, je suis sur une activité. On va voir, attendez. Une seconde, c'est Kim. Ah, d'accord. Je suis bien à 75 000 pour finir 50e. Donc très 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 chaud. Et bon. Et pour moi, essayer de le faire. Ah, il m'a fusion. Donc WrestleMania 33 arrive dans 3 jours, 7 heures. Ouais. Donc je vais avoir soit Bollywood de Colossal Pro, soit Braun Strowman et AJ Styles. Jericho, Aleister Black, Nia Jax ou Carmella. Ouais. Allez, on va regarder, c'est parti. Let's go. Allez, c'est parti. On va mettre The Rock. Ok, je suis en Michael's puissance. Non! Forcément. Le pire qui pourrait arriver. À chaque fois. Le truc qui va mettre. Mettre Sina. Là, tout ça. Kaiser. Yes! Le bas, parfait. Et je viens de se faire. On peut être signé ici. Là. Attention. Puissance. Oh my god. 300 points. Je sais jouer. À 300 points. Oh my god. 300 points. Je sais jouer. Là. Attention. Tu lèches. En vitesse. Ah, dommage. Dommage. Hey Brock, s'il te plaît, Brock, Brock!
Merci beaucoup, Michel, pour ce bonheur. Non, ça fait 5-4 pour rien. Dommage, j'ai fait. Mais bon, j'ai bien joué, je pense. J'ai fait de mon mieux. Mais bon, j'ai pas. Bien sûr. Allez, c'est parti. Non. Ah, bah voilà. Oh, un double de joker, superbe. Ah, tout de suite, pas de mal, c'est gratuit. Et voilà tout le monde, c'est parti, pas de mal, c'est gratuit, en élimination sur le spécial Cutting Ball. Allez, c'est parti, let's go. John Cena ici. Ah, c'est moi Joe. Ok, pourquoi pas. Est-ce que dans ma trompe, je vais mettre Triple H ici. Ah, il va qu'il s'arrête. Ouf, ça va. Je vais y aller en time. Parfait. Notre Undertaker ici. Ok, Randy Orton va être Samoa Joe ici. John Cena va être Brock Lesnar. Brock Lesnar ici. On gagne. Ah bah voilà. Il y a 17 parties trouvées, c'est pas mal. Hop. Oui, on va faire un petit match classique, comme ça se recharge. Tout simplement. Attends, il va se faire un match. Il va se faire un match avant que j'ai ma récompense des chaînes. Donc il reste encore. Attends, si je combine, il reste encore 6455 matchs. 6455 matchs avant d'avoir ça. Il s'est mis de l'autre niveau de rareté cassé. Rareté courante, c'est moi, c'est 17. J'espère avoir Becky Lynch pour la faire en pro. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc on va voir ce que ça a donné. Attends un petit peu que le DNX gratuit. Je recherche juste sur le DNX gratuit. Ouais, sur le DNX gratuit de cette vidéo sur Terminus Record en RD solo. Sur la suite de la vidéo. J'ai cherché, bien entendu. Pour la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Et 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7. Let's go. Ok, j'ai le mal. Non, pas ça. C'est clair, à chaque fois en visibilité. Ah non, je gagne. Oh. Ah oui, d'accord. En vitesse, c'était. Je pensais pas que j'allais le battre. Hein. Je pensais tout, pas du tout que j'allais le battre. Mais je sais. Pas pourquoi. Bref. Ok, c'est trop une attaque. Vitesse, on va faire la personne à la perdre. Voilà, t'es vrai.
très très mal. Aïe, une balle d'or. Karizu, est-ce que je le vois? Oui, c'est bon. Pas de mal à jouer. Ok, oh. Merci, Mani. Oui, c'était là. On peut mettre Triple H. Ok, Biggie et Samoa Joe. Et on gagne, pas pris. On vient pour le bénéficiaire de cette vidéo sur le Smackdown. Si cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus dans les commentaires, pouces bleus, un maximum de commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à la prochaine. Merci. Je vais essayer les éclats. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et de ouais. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée et à la prochaine.